Alors, pardon, je reprends ici puisque j'ai eu un horrible problème son à l'enregistrement de l'épisode de la peinture. Donc, j'ai zigouillé en fait tous les trolls. Ça a duré longtemps. Hein. Ils sont pas faciles à battre. C'est des trolls anormaux, on va dire. D'authentiques mini-boss qui sont 5 que j'ai pataté. Et je me suis rendu compte qu'à l'enregistrement, en fait, le son était inaudible. Ça grésillait à mort. Donc j'ai redémarré tout le schmilblick et je me suis dit ça vaut pas le coup que je refasse les combats parce qu'il n'y a aucun intérêt en soi. Et j'arrive justement sur la dépouille du fourbe qui aura perdu la vie dans une peinture. Bref, vous connaissez l'histoire si vous avez vu l'épisode précédent. Voilà. J'ai trouvé le cadavre du voleur, il faut à présent que je trouve le pinceau de vraie peinture. J'ai récupéré le pinceau de vraie peinture, il faut que je le rapporte à Rite afin que nous puissions quitter cet étrange paysage. L'avantage de ce monde, c'est qu'on y voit bien plus clair que dans le monde des glaces là. C'est du bien de déambuler dans un cadre champêtre. Il y a quelque chose d'apaisant. En plus avec un beau ciel. Est-ce que la peinture, il y a une carte de ce petit bois? Ah oui. Nous avons une carte de ce petit bois. Ah, je ne suis pas rendu par ici. Bon.
pas si je peux passer entre les rochers. Ah si. Laissez-moi nous peindre un moyen de sortir d'ici. Beau travail. Maintenant, je peux peindre le portail qui mène à la maison. Parfait. Ceci fait, vous devrez partir en premier. Sinon, vous serez coincé ici à jamais. D'accord. Les trolls tachetés. Il ne faut pas que j'oublie d'effacer les trolls de ma toile avant de la terminer. Oui, je te comprends. Et le dit voleur. J'étais dans mon atelier lorsqu'un boss-mère en habit sombre m'a accosté. Il m'a assommé avant que j'aie le temps d'appeler au secours. Lorsque je suis revenu à moi, j'ai réalisé que la porte de mon atelier était toujours fermée, mais que le voleur s'était emparé de mon pinceau. C'est là que je l'ai vu. Il y avait sur ma toile quelque chose que je n'avais pas peint. Ça ressemblait à un troll, mais mal fait. C'est alors que j'ai compris. Le boss-mère a dû sauter dans le tableau, puis peindre les gardiens à l'intérieur pour le protéger en se servant du pinceau de vraie peinture. Très bien. Oh, il m'apprécie pas tant que ça, je suis déçu. J'ai joué avec lui. Quelle histoire! Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça? Ce ne sont que des paroles en l'air. Ne m'approchez pas. Oh, l'autre. Vous ne me faites pas peur. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça? J'aimerais pouvoir en dire autant. Bah, c'est ignoble. C'est trop d'honneur. C'est remarquable. Ne m'approchez pas. Vous ne me faites pas peur. Vraiment ? Intéressant. Quel merveilleux compliment. Ce ne sont que des paroles en l'air. Ne m'approchez pas. Vous ne me faites pas peur. Oh, j'ai merdé. C'est remarquable. Quel merveilleux compliment. Vous me répugnez. Vraiment ? Vous savez y faire. Vous devriez avoir honte. Vraiment ? Vous ne me faites pas peur. Bah, c'est ignoble. Vous gaspillez votre salive. Quel merveilleux compliment. C'est remarquable. Quelle histoire. Vous devriez avoir honte. Vraiment ? Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? Vous ne me faites pas peur. Vraiment ? Intéressant. Bah, Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? Bien joué. Bah, c'est ignoble. Vous ne me faites pas peur. Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? C'est relaxant, là aussi, comme ça. Vraiment ? Seigneur, que voulez-vous que je réponde à ça ? C'est pas drôle, même pas un tout petit peu. Bien joué. Ça me va. Merci. D'après ce que tout le monde m'a dit, il affirme que l'attaque contre la chapelle d'Anneville annonce l'arrivée du mal. Si cela vous intéresse, vous devriez aller l'écouter vous-même à Anneville. On dit qu'il prêche chaque jour, par tous les temps, devant la chapelle. Suivez-moi.
Ridge s'est servi du pinceau de vraie peinture pour peindre une porte permettant de revenir dans son atelier. Il faut à présent que je retourne à Tamriel. Nous sommes de retour dans la maison de Rit. La peinture est scellée et Rit est sain et sauf. Il faudra que je lui parle quand j'aurai un peu de temps. Je ne sais comment vous remercier. C'est si bon de votre part de m'aider à rentrer chez moi. Je n'oublierai jamais ce que vous avez fait pour moi. Voilà. Acceptez ce tablier en témoignage de notre amitié. Ce n'est pas grand-chose, mais ça vous aidera peut-être à l'avenir. Wow, tout ce que je vous demande en retour, c'est de garder secrète l'existence du pinceau. Si quelqu'un apprend que je l'ai, j'ai bien peur que plus d'un couple Jarret vienne me rendre visite. Oui, ça me va. Des rumeurs ? Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des Dédras ont été chassés. Pour vous, bien sûr. Et Reynald Jeman, tiens, ça te parle ? Reynald Jeman ? Non, je ne connais personne de ce nom. Mais il y a un Gilbert Jeman ici. Il pourra peut-être vous aider. Il a pris une chambre à l'hôtel des Terres Neuves. Et il passe aussi pas mal de temps à se promener en ville. Bonne chance. Oh, il est déjà reparti dans d'autres contrées. Bon voyage, Sergio. Oui, merci toi aussi, mais... Alors, ça va mieux, la madame ? Attends, pardon. Je vous en prie, soyez notre hôte. Ah, pour rester à dîner ? Ah, je dirais pas non. Gan Redel a vraiment un don pour dresser les chiens. J'ai entendu dire qu'elle acceptait également d'entraîner les gens, à condition de la payer. Pour vous ? Bien sûr. Eh bien. Ah, les amandes, t'en penses quoi ? Cette ville part à volo depuis... Ah oui, c'est toujours le même baratin, oui, mais d'accord. Sortez d'ici. Il y a 2 minutes, elle voulait que je sois son hôte et maintenant elle m'éjecte. Ah, je l'adore. Bonjour. Quand il fait beau, tout devient subitement évident. Les v'là mes copains. C'est vous ? Salut. J'ai entendu dire que Naspia Cosma préférerait se battre dans l'arène que de passer son temps au château. Elle est vraiment redoutable à l'épée. Apparemment, ses parents sont contre le fait qu'elle participe aux compétitions. C'est bien dommage. Prenez soin de vous. Je suis Trevan Rougegarde, invocateur de la Guilde des Mages. Ça vous surprend ? Eh oui, on ne trouve pas beaucoup de Rougegarde dans la Guilde des Mages. Nous n'apprécions pas beaucoup les lanceurs de sorts à l'enclume. Les sorciers volent les âmes et interfèrent avec les esprits. Si vous utilisez la magie, vous êtes soit faible, soit mauvais. Ma famille n'approuvait pas ma vocation. Et j'ai donc dû venir à Cyrodiil pour mon éducation. Je l'admets... J'ai encore de forts préjugés contre la nécromancie, l'invocation et l'illusion. C'est mal de profaner les cadavres ou les âmes des morts. Et je n'aime pas l'idée d'interférer avec l'esprit des gens ou de trafiquer avec les Dédras. Alors, les rumeurs. Kaltar a essayé de ruiner la guilde de Leyawin. Ça montre bien qu'on ne peut pas faire confiance à un nécromancien, même s'il se dit repenti. Ah, les cultes d'Aedric, t'en penses quoi ? Les sectes qui vénèrent les Dédras ne sont pas forcément maléfiques. C'est même eux que vénèrent le temple, la religion officielle de la province de Morrowind.
Le sanctuaire d'Azura, situé au nord de la ville, par exemple. Du côté du lac Arius. Je connais un elfe noir vivant là-bas. Il n'a absolument rien de malfaisant. Intéressant. Et Shindira, la ville? Je progresserai très lentement dans les rangs, ici. Mes préjugés contre certains types de magie limitent mes chances de progression. Ah là 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 là. Ah, la guilde des mages. Si vous êtes à la recherche des sorts les plus puissants, adressez-vous à Borisen, à l'université Arcane, à condition qu'on vous laisse entrer. T'en penses quoi du prophète ? Je ne sais pas grand-chose de lui non plus. Simplement qu'il est apparu à Anneville peu de temps après l'attaque de la chapelle. Et Reynald Jeman ? Reynald Jeman ? Non, je ne connais personne de ce nom. Mais il y a un Gilbert Jeman ici. Il pourra peut-être vous aider. Il a pris une chambre à l'auberge des Terre-Neuve et il passe aussi pas mal de temps à se promener en ville. Bonne chance. Eh bien. En ce qui concerne la recommandation... Vous devrez en obtenir une auprès de Falkar, si vous le pouvez. Ah, merci. Que vends-tu ? Il n'y a que des articles de qualité ici. Que puis-je vous offrir ? À bientôt. À bientôt. J'espère pouvoir vous être utile. Bonjour. Des rumeurs ? J'ai entendu dire qu'un mage de Skingrad avait été agressé, mais je n'en sais pas plus. Oh, tu proposes quoi ? Faites toujours en sorte que votre équipement magique soit chargé. Bébé. Ici, qu'en penses-tu ? Pour être honnête, nous n'avons pas une équipe formidable dans la guilde de Shedin Hall. Nous manquons de responsables, et individuellement, nous ne sommes pas très doués. Ah, mince. Ah, c'est triste. La guilde des mages, t'en penses quoi ? Seuls les mages qui ont une recommandation des sièges de toutes les guildes locales peuvent entrer dans l'université Arcane. C'est une bonne politique, je pense. Justement, concernant ces recommandations... C'est la responsabilité de Falkar. Il prend son rôle très au sérieux. D'accord. En ce qui concerne les amendes... Cette ville part à volo depuis qu'Ulrich Leland a été nommé capitaine de la garde. Tout le monde a presque peur de sortir de chez soi, maintenant. Les gardes nous imposent des amendes totalement ridicules pour toutes les infractions possibles et imaginables. C'est à croire qu'ils inventent en permanence de nouvelles lois, rien que pour pouvoir nous mettre à l'amende. Et ceux qui ne peuvent pas payer se font confisquer toutes leurs possessions matérielles ou finissent au fond des souterrains du château. On ne peut rien y faire. Si cela vous intéresse, allez voir Levana Nedaren. C'est elle qui s'exprime le plus franchement contre Ulrich et ses nouvelles amendes. Ah là 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 là, merci. Au revoir. Au revoir. Oh, bonjour. Je suis Eilonui. Je ne suis qu'une prestidigitatrice, mais Orinthur est un magicien confirmé. N'est-il pas merveilleux ? Mais je sais qu'elle est ravissante. Oh, des rumeurs ? La guilde des mages fonctionne comme avant. Mais elle a perdu pas mal de membres lorsque la nécromancie a été interdite. Que proposes-tu à la vente ? Je vends des potions, ainsi que tout le nécessaire pour en préparer soi-même. Qu'est-ce que ce sera ? C'est une affaire. Oui, oui, oui. Thank you.
Je ne vous en ai pas demandé assez. Revenez quand vous voudrez. Avec plaisir. Que penses-tu d'ici? Cela semble peut-être... Non, oui, tout le monde le dit. Le Ninroute? Bonne chance pour votre travail sur le terrain pour Cinderion. Ah, soupir, merci, à plus tard. À bientôt. Bonjour. Je suis le mage Orintour, de la Guilde des Mages. Je partage mon temps entre la guilde de Sheddinghall et mes propres études à la Banque du Saule. Tes études à la Banque du Saule? Que proposes-tu? J'offre les meilleurs produits de tout Cyrodiil, aux prix les plus compétitifs. Oh, il est très fort. N'hésitez pas à parler de moi à vos connaissances. Avec plaisir. Les lieux, qu'en penses-tu? J'aime beaucoup Sheddinghall. C'est là que j'ai rencontré mon grand amour, Aelonwy. Nous avons de longues vies, et il est très important pour nous de choisir le bon partenaire. Eh bien, tout est dit. Des rumeurs? La moitié du Conseil des Mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. La recommandation? Vous devrez aller voir Falkar à ce sujet. Je vais partir à sa rencontre. Les amendes? Cette ville para... Les gars... Mais c'est toujours le même propos. Pardon, je vais pas déranger... Adieu. Davantage. Salut. Salut. Tiens, je me suis... Oh, bonjour. Bénis nous sommes. Je suis Ditsan, magicien de la Guilde des Mages. Bonjour à toi, des rumeurs? La moitié du Conseil des Mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. Pour changer, tu vends quoi? Si vous êtes attentif, vous apprendrez beaucoup. Eh bien... Que penses-tu de cette cité? Tout va bien. La guilde ici, je veux dire. C'est bien ça que vous voulez dire. Ça va. Tout va bien pour moi ici. Si j'insiste lourdement. Tout va bien. Ouais, non. La guilde des mages. Notre siège n'a pas grand-chose à offrir en termes de formation. Je peux enseigner quelques compétences d'altération de base, mais c'est à peu près tout. Je suis désolé, mais vous devrez vous adresser à Falkar à ce sujet. Mais je vais aller le voir de sa part. Vous aussi. Comment allez-vous? Moi, je vais bien, merci.
avec lui. Oh, c'est beau. Excusez-moi de vous déranger. Je suis le mage Orintur, de la Guilde des Mages. Je partage mon temps entre la Guilde de Shedinhal et mes propres études à la Banque du Saul. Alors, on s'est parlé dans le rez-de-chaussée tout à l'heure, et là je comprends plus. Adieu. Adieu. Je voulais m'adresser au maître des lieux. C'est une épreuve en soi, il a fait un sort d'invisibilité. Non ? J'ai l'impression que nous allons devenir très proches, vous et moi. Ouais, n'exagère rien, ma grande. Hein. On se connaît à peine. Ah, j'avais oublié que c'était le sous-sol. Oui. Ah. Qu'y a-t-il, associé ? Ne me dites pas que vous êtes ici pour une recommandation. Mais si, mais je voulais partir à votre rencontre. Mais que faites-vous dans la cave ? Eh bien, l'université Arcane, vous en pensez quoi ? Vous n'en verrez jamais l'intérieur, à moins d'avoir une recommandation des guildes locales. Je dois avouer que c'est l'une des rares choses que Traven ait bien faites. Mais vous pouvez, si vous y tenez, vous rendre à la cité impériale et vous faire arrêter aux portes. Vous devriez avoir l'habitude de ce type de rejet. Il a l'air très amer, ce garçon. Des rumeurs ? Les choses sont différentes à la guilde depuis que Traven a été nommé archimage. Elle est plus structurée, mais tout le monde a l'air nerveux. Et ce lieu dit ? Je suis responsable du chapitre de la guilde des mages de Shedinhal. C'est un véritable honneur. Mais ils n'avaient guère le choix, vu que je suis le seul à être un peu compétent ici. Aïe. La guilde des mages ? La guilde est toujours puissante à Cyrodiil. Mais de piètres décisions prises ces dernières années l'ont affaiblie. Peut-être même détruite. Nous verrons bien. Le coût des amendes ? Cette ville part à volo depuis... Ah, toujours le même propos. Prenez votre temps. Oh ! Mais il est en amour fou avec moi. Les recommandations ? Ne me faites pas perdre mon temps si vous n'êtes pas prêt. Êtes-vous prêt à faire le nécessaire pour obtenir une recommandation de ma part ? Sauf erreur de ma part, tu es le dernier du royaume à ne pas m'avoir donné ton approbation. À avoir mon siège au Haut Conseil des Mages de Cyrodiil. Oui, je suis prêt, mon cher Falkar. Hein ? Très bien. Nous allons voir à quel point vous êtes préparé. Il y a quelque temps de cela, j'étais en train de tester un anneau de fardeau. Un autre associé stupide a d'une façon ou d'une autre mis la main dessus et réussi à le perdre. Si cela ne me semblait pas si farfelu, je dirais qu'il l'a délibérément jeté dans le puits qui se trouve derrière la salle de guilde. Je ne comprends pas les raisons d'un tel geste. Vous allez récupérer cet anneau pour moi. Si vous y parvenez, j'envisagerai d'envoyer une recommandation à l'université. Le puits étant verrouillé, vous aurez donc besoin de la clé. Detsan devrait en avoir une copie. Mettez-vous en route maintenant. Il est où ce destin ? L'anneau de fardeau. Il est donc lourd comme une pierre. Ce n'est pas un anneau comme les autres, voyez-vous ? Vous aurez peut-être un peu de mal à le porter. N'allez pas raconter que je ne vous l'ai pas dit. C'est une épreuve de poids, non ? Aïe, 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 aïe. J'y vais de ce pas. Allez ennuyer quelqu'un d'autre. Ah, oh, il m'aime bien, il ne va pas dire ça. Vilain, vilain. Porte en bois. Oh ! C'est donc au sous-sol qu'on dort dans cette guilde. Comment ça, impossible ? Ah bon. Il y a une pièce interdite. À ma grande surprise. Les potions de magie. Les potions de magie. Les potions de magie de l'amour. Bon après-midi. Merci, Toshi. Alors. J'ai l'impression que nous allons devenir très proches, vous et moi. Oui. Bonjour. T'en as marre de la solitude, j'ai compris. Qu'est-ce qu'il y a, des rumeurs ? J'ai entendu dire qu'un mage de Skingrad avait été agressé, mais je n'en sais pas plus. Ah,
cette ville. Soupir. Prenez soin de vous. Oui, toi aussi. Mais qui ? Bonjour, associé. Ah, quelqu'un fait un sort. Bonjour. Bonjour, c'est l'amour qui est venu à ma porte. je ne sais plus, je suis Peldo. Mais du coup, de la recommandation. On dirait vraiment que Falcar vous en veut. Quelle chose étrange il vous a demandé de faire. Bah oui, mais c'est ainsi. Je sais plus quoi dire. Bonjour. Comment allez-vous ? Fantastique ! Merci d'avoir posé la question. J'ai entendu dire qu'un mage de Skingrad avait été agressé, mais je n'en sais pas plus. Non, allez ! Sans aucun doute. Pour une fois, les nouvelles en provenance de Gvatch sont bonnes. Les derniers des Dédras ont été chassés. Oh ? Naspia Cosma sait vraiment se battre à l'épée. Quel dommage qu'elle ne se batte pas dans l'arène. Apparemment. Ses parents sont contre le fait qu'elle participe aux compétitions. C'est bien dommage. C'est bon à savoir. Ils m'ont infligé une amende de 5 pièces d'or pour avoir sali la rue. Pour avoir sali la rue, vous vous rendez compte ? J'ai du mal à gagner cette somme en un an. Ces amendes sont vraiment ridicules. Adieu. Qu'est-ce que c'est ? J'espère pouvoir vous être utile. Oui, je crois. Le coup de la recommandation, bizarre, non ? Falcar confie parfois les missions les plus bizarres. C'est comme si ça lui était un peu égal. Tu m'aurais été d'un grand secours. Le coup des amendes... Cette ville... Toujours le même propos, oui, bon. Je finirai par résoudre dans cette ville les soucis des amendes. Bonne journée. Oui, merci, toi aussi. C'est un plaisir de vous voir. Il faut que je me procure la clé du puits de la guilde des mages de Shenna auprès de Distan. Auprès de Distan. Il est un peu distant, Distan. Il est distant, Distan. Bonjour. Ah. C'est un plaisir de parler avec vous. Oui, pardon, Distan. J'aurais besoin de la clé, en fait. Ne me dites pas que Falcar vous a confié la même tâche qu'à Vidkun. Oh, Seigneur. J'en dirai plus, mais... Falcar est le responsable ici, et ça me gêne de parler de lui. Je regrette. Je vais vous le dire. Venez me voir lorsque Falcar n'est pas dans les parages, et alors nous parlerons. Lorsque nous aurons discuté, vous pourrez prendre la clé. Faites-moi confiance. C'est important. D'accord. Adieu. Je vais l'attendre en pleine nuit. Thank you.
Je suis surpris que vous me parliez à nouveau sans avoir accompli votre tâche. Alors, Vidkun. Inutile de vous soucier de lui. Il n'était pas digne d'appartenir à la guilde, et c'est mieux qu'il n'en fasse plus partie. Et la recommandation, alors ? Je pense vous avoir clairement expliqué votre tâche. Trouvez l'anneau qui se trouve quelque part dans le puits derrière la salle de la guilde. Rapportez-le-moi. Vous avez compris ? Ou dois-je utiliser des mots encore plus simples ? Des rumeurs ? Je vous en prie, continuez. Le pire, c'est qu'il m'aime bien. C'est ça qui est dingue. Aïe, 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 aïe. À plus. Au revoir. Au revoir. Oh, je sais pas comment t'as fait ton truc, mais tu l'as fait. Tiens, oui, moi aussi, je vais faire de l'alchimie. Une bonne idée. Ah, j'aimerais pas gâcher cette marchandise. Même pas. Oh là 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 là. Écoute, je suis déception maintenant. Je vous salue. C'est un plaisir de parler avec vous. Comme je vous l'ai dit, ça me met vraiment mal à l'aise de vous parler de Falkar. Pardonnez-moi. Faut que je trouve un moyen de le distraire. Des rumeurs ? La moitié du Conseil des Mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. Prenez soin de vous. Salut ! Bienvenue. Bonsoir. Bonjour. Voilà une étrange façon de prouver votre valeur. J'ai parfois du mal à comprendre, Falkar. Le dernier associé à se présenter ici pour un apprentissage n'est jamais revenu. J'imagine que Falkar l'a vraiment contrarié. Vidsan avait l'air en colère à ce sujet également. Bonjour. Je viens de me péter le genou contre la table et il me dit que j'ai un meilleur talent d'acrobatie. Ah non, c'est trop drôle. Espèce de sale voleur. Comment osez-vous ? Je suis sûr que je peux l'avoir.
J'en suis persuadé. Hop là. On a rien vu. Ah, c'est sa chambre. Saligo. J'ai peut-être trouvé quelque chose de... Quoi ? Guérison autre majeure. Eh bien... Merde. Oh la vache. Sympa. Oh, gemme spirituelle noire, énorme. Oh la vache, des gemmes spirituelles noires, c'est pour enfermer les démons et les âmes des créatures. Pourquoi j'ai vu une ombre ? Pourquoi il y a une ombre ? J'ai vu une ombre. Il y a une ombre là. C'est pas normal. Il ne m'a pas vu. Ninja. Vous avez éveillé mon intérêt. Faites-moi... Bonjour. Dans quel sens ? Non. Bonne journée. Le siège de la guilde de Corolle a reçu une visite fort déplaisante récemment. Quelqu'un qui en voulait à Tekeus. Vous croyez ? À leur voyure. Prenez... Bonjour. Alors, t'es prête à parler ou pas ? Nous pouvons parler tant que Falkar est hors de portée de voix. Oui, il est en cave. Si cela ne semblait pas si farfelu, je dirais qu'il essaie de vous tuer. Il a confié la même tâche à Vidkun. Nous ne l'avons jamais revu, le pauvre. Je suis presque sûr qu'il y a un lien, mais je ne peux pas le prouver. Faites attention. Je ne pourrais pas supporter de perdre un autre associé utile. Voici la clé et un petit extra. J'ignore si cela vous sera utile, mais d'après ce que j'ai entendu dire de la bague de Falkar, elle pourrait s'avérer bien commode.
Et si vous découvrez quelque chose sur ce qui est arrivé à Vidkun, tenez-moi au courant, d'accord? Oui. Alors, Vidkun, je me demande s'il n'a pas fini assassiné et l'âme aspirée dans une gemme noire. Il était associé, tout comme vous. Peut-être pas le plus intelligent, mais très motivé. C'est Falkar qui lui a confié sa mission, puis il a disparu. C'est comme s'il avait cessé d'exister. Nul ne sait ce qui est arrivé, et Falkar refuse d'en parler. Effectuez simplement la tâche qu'on vous a confiée. Nous reparlerons une fois que vous aurez terminé. D'accord. À plus tard. Au revoir. Oula. Je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais prendre. Effectivement, je comprends que l'épreuve soit difficile. Un point n'y suffiront point. Il m'en faudrait 100 des points. Des points de plume. C'est ça. J'ai trouvé l'anneau de fardeau, il faut que je le rapporte à Falkar. Ah, donne une route des profondeurs, dis donc. Je savais même pas que ça poussait si profond. Oui, pardon. Alors, il est où le troll? Où qu'il est? Bonjour. C'est un honneur. Eh bien, qu'avons-nous? La guilde de Danville a acquis une grande renommée depuis que c'est Caradine qui la dirige.
Vous avez entendu parler d'une autorité qui s'est fait arrêter? Non, non. Bonjour. Ouais, les nouvelles en provenance de Batch sont bonnes. Les derniers des Dédras ont été chassés. Excellent. Bonne journée. Lui, il est pas là, Stigo. Mais non, il est pas là. Et où qu'il est? Bonsoir. Bonsoir. Tout le plaisir est pour moi. Oui. Moi, je cherche le responsable du meurtre. Où est-ce qu'il est ? Tout le plaisir est pour moi. Continuez, je vous prie. Ah. N'avez-vous pas entendu les nouvelles ? Ah non, non, j'imagine que vous n'êtes pas au courant. De quoi ? Vous feriez mieux d'aller voir Destan avant toute chose. Destan ? Bon, je vais aller voir Destan. Au revoir. Alors, où est Destan ? Non. Non. Alors. Il y a eu du nouveau pendant votre absence, associé. Cela risque d'affecter votre recommandation. Oui. J'ai la note fardeau. Oh, laissez-la n'importe où. Je ne crois pas qu'il y ait attaché de l'importance. Je crois que c'était une sorte de plaisanterie de sa part. Mmh. Oui, Vidkun est mort dans le puits. Il est mort ? Oh, je le savais. Je savais que quelque chose comme ça était arrivé. Falkar devait être au courant et pourtant il n'a rien dit. Comment a-t-il pu laisser une telle chose se produire? Merci de m'en avoir informé. Je suis désolé que vous vous soyez retrouvé au milieu de tout ça. Bon, la recommandation... Je l'admets, c'est ma faute. Je n'ai pas pu laisser les choses comme elles étaient. Et lorsque vous êtes parti à la recherche de cette bague, eh bien... J'en ai vraiment plus cassé de la manière dont Falkar nous a tous traités. Je me faisais du souci pour vous et j'étais en colère à cause de Vidkun. J'ai donc défié Falkar directement. Il était furieux quand je lui ai dit que je vous avais aidé. Et quand je l'ai menacé de signaler sa conduite au Conseil des Mages, j'ai cru qu'il allait me tuer. Il s'est mis dans une telle rage. Je n'ai pas compris tous ses propos coléreux. Mais il a dit que nos jours étaient comptés avant de partir en claquant la porte. J'ignore s'il avait rédigé votre recommandation. Je regrette. Je ne m'attendais pas à ça. Peut-être devriez-vous aller voir s'il en avait rédigé une. Vous devriez vérifier la chambre qu'il occupe dans les appartements. Si vous trouvez la note ou autre chose d'inhabituel, faites-le-moi savoir. Je me ferai un plaisir de l'envoyer au conseil. Ah, le pauvre Vidkun. C'est vraiment dommage. Il ne méritait pas de mourir ainsi. Oui, j'imagine. J'ai bien fait de lui chipper la clé, en fait. À bientôt. À bientôt. J'étais clairvoyant, en fait, en lui chipant la clé. Alors, il n'y a pas d'évidence que la recommandation dans la pièce de Falkar, mais j'ai trouvé les gemmes de pierre noire. Je devrais en parler à Destan immédiatement. Bon, bah alors... Qu'est-ce donc ? Des gemmes spirituelles noires ? Oui. Oh, Seigneur, c'est pire que ce à quoi je m'attendais. C'est un tueur en série, Très en fait. Très bien. Donnez-moi ça. J'en aurai besoin pour mon rapport au conseil. Bon, vous n'avez trouvé aucune sorte de recommandation ? Très bien. Je vais en rédiger une moi-même et l'inclure dans mon rapport au conseil. Étant donné les circonstances, je pense qu'ils la trouveront plus qu'adéquate. Mmh.
Grand honneur, cher Distan. Merci à vous. Ah là là. Des rumeurs ? La moitié du conseil des mages a démissionné lorsque Traven est devenu archimage. Ah là 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 là. Mon Dieu. À part ça, ça va mieux ? Au revoir. Au revoir. Pa-pa-pa-pa-pa-pa-pa, 150, mon Dieu, là, notre fardeau. Aïe, aïe, aïe. Si je suis méchant... je glisse l'anneau du fardeau dans la poche de quelqu'un et il peut plus bouger. Je me demande qui je vais choisir. Il me reste 2 minutes chrono, je crois, dans l'effet de la potion plume, pour gruger quelqu'un. Attends, qui dans le patelin je vais m'amuser à laisser figer. Ah, c'est moche. C'est moche, mais c'est drôle. Oh non. Aïe, 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 aïe. Oh, à qui je peux faire cette vilaine plaisanterie ? Ça peut être très drôle, hein, sans déconner. Oh merde, à qui je peux faire ça? Oh, miséreux. Hop là. Mais, impossible de placer les objets dans un conteneur pendant que vous faites les poches. Mais c'est pas un conteneur. Pourquoi j'ai pas le droit de glisser l'anneau dans sa poche? Ça pourrait être drôle de lui foutre 150 points de masse subitement. Mais pourquoi? Quel êtes-vous? Quelle heure est-il? Non, mais rien. Aïe, 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 aïe. Le pauvre. Ah. Alors, du coup, je fais quoi? Alors, l'un des habitants de Shindal m'a dit que depuis quelques temps, les gardes distribuaient arbitrairement de lourdes amendes. Apparemment, ceci a commencé avec l'arrivée du nouveau capitaine de la garde de Shredland. On m'a dit d'aller voir le Vden. Ah, oh, bah, je suis tout proche de là où il faut que j'aille. Je vais peut-être jouer tout en diplomatie, non? Non, je suis pas dans la bonne section. Oh, que je suis bête. Hop. Excusez-moi, bonjour, de vous déranger en pleine nuit. Vous avez l'air bien trop gentil pour être un des hommes d'Ulrich. Que puis-je pour vous? Essayez de mettre fin aux amendes. Makna vend des livres de qualité. Par contre, il vaut mieux l'éviter quand il est de mauvaise humeur. Oh. Oh, je vous en prie. Mais oui, des amendes. Ne me cherchez pas. Ce fou ne sera pas content tant que toute la ville ne sera pas ruinée ou en prison. Et d'abord, que fait Ulrich de tout cet argent? Je suis sûr qu'il se remplit les poches avec l'argent des honnêtes citoyens de Shedinhal. Prenez mon ami Aldo Sotran, par exemple.
Le mois dernier, il a reçu 6 amendes. 6. Toutes pour ivresse publique. Êtes-vous déjà passé à côté d'une caserne de garde? Quand ne sont-ils pas en état d'ivresse publique? Qu'est-ce que c'est que cette amende stupide? Eh bien, Aldous ne pouvait pas payer les 2 dernières amendes. Donc, ils ont saisi sa maison et l'ont jeté à la rue jusqu'à ce qu'il puisse payer. Les pourris! Et le comte? Le comte? Il ne compatit pas vraiment avec nous. Tant que son cochon rôti arrive à la table du festin, c'est tout ce qui compte pour lui. Il y a quelque chose qui... Quoi? Y a-t-il quelqu'un qui ne s'en moque pas? Eh bien, on dirait qu'il y a un homme qui s'en préoccupe. Garrus Dareliun, le second de la garde. J'ai entendu dire qu'il n'était pas content d'Ulrich. Je ne sais pas ce que vous pouvez faire pour nous dans cette situation. C'est vrai, Ulrich est le capitaine, après tout. Peut-être devriez-vous vous adresser à Garrus. Vous le trouverez en train d'errer dans l'hôtel du comté du château la plupart du temps. Ah, le fameux Ulrich, alors. Je ne sais pas où le comte l'a trouvé, mais j'aimerais bien qu'il le renvoie. C'est une menace pour cette ville. J'entends bien. Et Aldous Abtran? Pauvre diable. Vous le trouverez peut-être errant dans les rues de Shedin Hall, sans doute ivre. Il a perdu sa femme il y a tout juste un mois. Ils étaient sur la route partant de la cité impériale lorsqu'ils ont été attaqués par des bandits. Il s'en est tout juste tiré. Il est ivre depuis lors. Bien sûr, il arrive qu'il soit chahuteur, mais il n'a jamais fait de mal à personne. J'entends bien. Garrus constitue sans doute notre seul espoir. Merci pour l'info. Nous verrons ça au prochain épisode.